Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement des tunnels nantais. Alors dans le pratico-pratique, donc je vous propose en fait de faire un tunnel en récupérant des matériaux qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est jardinerie, puisqu'en fait on prend les jardiniers pour des pigeons souvent, donc c'est bien plus cher au niveau des matériaux que dans d'autres domaines d'activité. Donc pour faire un tunnel nantais, on peut réemployer d'autres matériaux, comme par exemple ici les tubes Hiro, qui sont des tubes au rayon électricité. Donc un tube de 2 mètres comme celui-ci, ça coûte 1 euro. Quand un tube pour un tube ou une tige en métal spéciale pour les tunnels nantais, c'est vendu plus du double, voire le triple, hein. On est souvent aux alentours de 3 euros. Alors moi j'utilise cette méthode depuis environ 5-6 ans dans mon jardin, et ça tient très bien en extérieur. Moi je les ai fixés avec des colliers de plomberie à mes planches en bois, et du coup ça fait 5-6 ans qu'ils sont dehors et il n'y a pas de problème. Hein, ça tient très très bien, c'est aussi résistant, voire même plus que ceux qui sont vendus en rayon jardinerie. Donc on va utiliser ça, et ensuite ce que j'ai trouvé, et ça j'en trouvais pas avant, j'ai acheté les clips qui étaient donc spéciaux pour ces tubes là. Et là c'est j'ai payé 2 euros les 15, en fait petits clips. Ceux-là vont servir à maintenir la bâche sur mon tunnel. Donc j'ai pris pas mal de paquets parce que j'ai déjà des tubes Hiro dans le jardin, là, dans le potager actuel. Donc ça va me servir du coup à maintenir des bâches. Et donc sinon, j'ai acheté une bâche. Alors j'ai pris, il n'y avait pas le choix. Celle-là, c'est une anti-UV. J'ai jamais essayé, donc elles sont jaunes. Il paraît que c'est plus résistant contre les intempéries, notamment pour ceux qui habitent dans le sud de la France. C'est résistant aux UV et donc aux rayons du soleil. Même si ça, on va plutôt utiliser le tunnel nantais hors saison, c'est-à-dire au début du printemps ou éventuellement à l'automne quand on va rajouter des semis. Donc avec cette bâche-là, je vais faire mes deux tunnels. Donc ça va être 1 mètre, je vais couper en deux la bâche, 1,50 m. Et pour mes planches de culture, j'ai besoin de 10 mètres de longueur. Donc au niveau du coût, pour tout ça, j'en ai pour environ 45 euros pour 20 mètres carrés de culture protégée en fait par ces tunnels. Donc c'est très bon marché si vous regardez les tunnels prêts à l'emploi, où vous avez trouvé des tunnels qui se déplient un peu tout seuls. Pour environ 45 euros les 3 mètres linéaires. Donc là, on est nettement moins cher, 6 fois moins cher. Allez, je vous présente ça. Thank you.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un marquage où va arriver en fait la terre. Comme ça me permet d'avoir ce repère là et d'avoir la même taille partout pour que ma mini serre ressemble un peu à quelque chose, qu'il n'y ait pas des arceaux qui soient plus hauts les uns que les autres. Donc j'ai essayé de faire quand même attention aussi à l'espacement en prenant un bout de bois comme gabarit. Et puis normalement ça devrait être à peu près droit. Donc ensuite l'étape suivante ça va être de fixer un fil, comme on dit un fil d'Eltane, pour relier les uns aux autres tous mes tubes. Ça permet vraiment de stabiliser l'ensemble pour éviter qu'il y en ait un qui s'affaisse. Donc voilà pour l'étape suivante. Donc pour ce qui est de la fixation de la bâche, moi j'ai choisi de mettre 3 clips par tube. Donc il suffit simplement de déployer votre bâche et puis ensuite vous la clipsez sur vos tubes. Et à l'extrémité, il suffit de prendre un fil de fer, de nouer en fait autour de votre bâche. Ce que vous pouvez faire, c'est pour la maintenir au sol, par exemple vous pouvez utiliser une sardine de camping, ça fonctionne très bien. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques idées pour aménager votre potager. Donc cette solution, elle permet quand même de forcer un petit peu les légumes et de pouvoir cultiver un peu plus précocement dans la saison. Bien sûr, quand on habite une région dans l'est de la France ou en altitude, il vaut mieux quand même attendre le mois de mars pour semer. Moi, je vais pouvoir d'ici 15 jours, 3 semaines, mettre sous le deuxième tunnel des pois mange-tout. Ça me permettra d'avoir une culture précoce au printemps. N'hésitez pas, je le dis pas souvent, mais à vous abonner, laisser un commentaire ou un petit pouce. Ça motive toujours à continuer. C'est vous aussi qui faites vivre la chaîne. Merci à vous, au revoir.